Et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule qui me fit. Un autre mois, à côté pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et le lys sur l'autre épaule. Et la troisième fois, il sera puni de mort. Je n'ai pas dit que ce n'est pas des noms, mais ça, ça n'a pas vrai. Le feu est mis fréquemment sous l'habitation. Les esclaves essaient de toucher le colon dans ses forces. En 1847, les incendies criminels, le mot d'ordre est liberté. Tels furent les propos de colon d'esclaves. En 1831, ce sont les esclaves de Saint-Pierre qui se soulèvent. 260 esclaves sont arrêtés. En 1832, c'est l'inquiétude à Saint-Pierre. Les esclaves auraient formé leur projet d'incendier la ville et les campagnes. En marge des révoltes, se poursuit le marronnage jusqu'à l'abolition de l'esclavage, mais il reste un phénomène marginal. Oui.